Alors, on reprend tout doucement, parce que c'est assez complexe. Char 21, on est au chapitre 9, et on avait commencé le début du chapitre 9. Alors, il faut toujours, dans le ramac, voir le mouvement global. Le mouvement global, c'est qu'on veut maintenant... C'est toujours de comprendre ce nom de 72. Maintenant, ce nom de 72, évidemment, on a compris qu'il est complexe. Et il va avoir plusieurs... On va appeler ça des strates, on va dire. Et toutes ces strates-là, elles vont se coordonner dans ce grand schéma qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui si Dieu veut. D'accord C'est très bien. Il est là ce schéma qu'on va expliquer si, si Dieu veut. Pour parvenir à ce schéma-là, on ne l'a pas fait comme ça. Ce n'est pas simplement une construction géométrique. On est passé par des textes. D'accord Et le Rama, qui connaît mieux que, tout, que nous tous tous ces textes-là, à chaque fois, il fait attention aux différences et aux, et aux choses qui sont liées à ces textes. Très bien. Il se trouve que, je reprends, on avait nos 72 noms clairs des trois versets, Vaïsa, Vaïavo, Vaïet, qui sont faits par trois versets. Et donc, on a 72 noms qui sont chacun faits de trois lettres. Ça, c'est réglé. Très bien. On est passé ensuite. Doucement aux douze guévoulés à Larson, qui correspondent donc les douze oh, qu'est-ce qu'on avait dit si les, 12, les, les 12 directions ou les douze arêtes ou les 12 arêtes du cube. On va y revenir. On, est, on a continué par considérer ce qui va être, ça qu'il faut bien comprendre, un, un deuxième nom de 72 douze mots qui est les trois permutations qu'on va avoir de Ekeye, Yud Kevavke et Adni. Très bien Maintenant, sur ça, il faut reprendre tout le cours pour comprendre, on va maintenant s'intéresser à quelque chose d'autre, qui est ce qu'on appelle le nom de douze lettres. Ce nom de douze lettres, il est facile, parce qu'on le récite tout le temps dans la prière, c'est Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor. Très bien quand on la prière, on ne fait pas attention. On dit simplement qu'on voit qu'il y a trois fois le nom de Dieu qui est répété. D'accord, c'est d'ailleurs. Simplement, le nom de Dieu dit le tétragramme. Il est composé de quatre lettres. Quatre fois trois, ça fait douze. Et quand on a dit trois fois le nom de Dieu, on dit quoi On dit que, en fin de compte, il est Littéralement, Meller, il est roi, Malar, il a été roi, Yimlor, il régnera. Ça veut dire, ça, ça, en, en fin de compte, ça va désigner toute l'étendue du règne divin dans le temps. Pas choute. Maintenant, il se trouve que ce nom-là, c'est-à-dire que ces trois Yudkevaké, quand on les met ensemble, on va avoir 1, 2, 3, 3 fois 4, 12, on va avoir un nom de 12 lettres. A priori, on comprend pas qu'on a juste trois fois Yudkevaké d'accord' C'est très bien et si vous vous rappelez au début du chapitre on a vu la, la semaine dernière c'est que ce nom de Yudke ce nom de Yudfke ce nom de qui était de 12 on va en faire aussi un nom de soixante douze comment on fait soixante douze en fin de compte, on va avoir 72 douze Alors, il va dire, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de répétitions. Vous, vous rappelez, d'accord Il y a beaucoup de répétitions. Il dit, ça, c'est pas grave parce que parce que ça, ce sont des noms qui sont généraux et qui vont être attribués. Très bien. Ok. Yud Quand on le permute, ça fait 24. Et, et, et on va faire cette permutation trois fois. Alors, il dit c'est identique. Oui, mais ça va se placer à chaque fois à un niveau différent. Et tant entendu que ce qui va rythmer ça, c'est le principe de 12. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, tant qu'on était dans cette histoire de 12, et c'était ça qu'on avait vu la dernière fois, il avait ramené un texte du Zohar, dans Parachat, dans Raya dans, euh, dans Parashat Bamidbar. Ok, très bien. Qui dit on va maintenant compter comment est-ce qu'on va vocaliser, comment est-ce qu'on va vocaliser ces trois noms. Alors, il avait ramené, vous vous rappelez plus haut, c'était le yif a Yif-El, Yif-Ol, il avait ramené, et, etc. Alors, le texte de Raya là il dit qu'en fin de compte, ce qu'on avait dit, c'est que quand on a Hachem-Melech, Hachem-Malah, hachem, hachem, hachem Yimlor on va reporter les Nekoudot de de Melech, Malach Yimlor, sur Yudkevakhe. Et le Zohar nous dit, de façon je veux dire, un peu mystérieuse, que le conte des Nekudot doit nous amener à Roujban Yavok. À 112. Tout alors, 112. Doit nous amener au conte de 112. Maintenant, c'est quoi 112 c'est pas sorti au hasard. 112, c'est la gématriade gématria de Yavok. J'ai expliqué, Yavok, c'est un grand sujet. Yavok, c'est quoi C'est dans la Torah. Si vous vous en souvenez, c'est un, un, un épisode, à, à savoir que quand Yaakov, il a amené toute sa famille finalement, après euh, 21 années, je crois, euh, je chez la Vannes, il, il, il réussit maintenant à amener toute sa famille sur la terre d'Israël. Et au dernier moment, il se passe un épisode très compliqué, c'est que Yaakov, il dit, attendez, j'ai oublié quelque chose. Donc il laisse tout le monde, et lui, il fait demi-tour. Et il fait demi-tour, et il traverse un guet. Et ce guet va, va, va lui faire passer la frontière. D'accord Et, et donc, il, 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 donc, il va se retrouver l'espace d'une nuit, tout seul, de nouveau en dehors d'Israël, alors que toute sa famille est en Israël. Lors de cette fameuse nuit, va avoir le combat, de, le combat avec l'ange. Très bien. Ce guet s'appelle Yavok. D'accord Yavok, ça s'écrit Yud, Bet, Kouf, il a pas de Vav. Très bien. Yud, ça fait 10. Bet, ça fait 2. 10 et 2, 12. Et 100, 112. C'est important ce nom de Yavok, parce que ce nom de Yavok, en fin de compte, il va être le point de passage. Comment est-ce qu'on passe d'un domaine à un autre Littéralement, c'est ce, ce petit guet qui lui a fait passer des forces de la sainteté, comme il dit le Ramak, dans les forces de la Toumalabak, de, 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 dans, dans dehors d'Israël, dans, 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 dans dehors d'Israël, et c'est ce par quoi on passe d'un degré à un autre degré. Voilà pourquoi il y a Alors maintenant, la question qu'on avait techniquement, c'est de savoir, OK, comment est-ce qu'on va arriver au compte de 112. Alors je répète, pour ceux qui ne savent pas, les nekudot ont, les points voyelles ont aussi des termes. C'est quoi le principe Il est très simple. Tous les points comptent comme un yud et toutes les barres comptent comme un vav, ça fait comme un 6. Très bien. Alors, quand on a Meller, Meller, ça pose pas de problème, c'est un, un Ségol. Ségol, ça fait 30. 30 et 30, 60. Très bien. Donc, on prend un papier et on marque dans un coin. Je l'avais fait, on va marquer 60. Donc, ça, ça ne bouge pas, on n'a pas d'autre choix que 60. Maintenant, sur Malach. Sur Malach. Non, on est d'accord que Malach, ça s'écrit avec deux Kamets. On est d'accord Donc, le Kamets, il est composé de quoi Le Kamets, il est composé d'une barre qui vaut 6 et d'un point qui vaut 10. Donc, on a dit Meller, c'est deux Ségol, ça fait 30. 30 et 30, 60. Malach. il se trouve que Malach, il est composé de deux kamets. Donc ça fait 16 plus 16 égale 32. Mais maintenant, et ça notre problème la dernière fois. Mais maintenant, le Meler, le Rafinal, final, il prend aussi un Sheva. Et ce Sheva, il vaut 20. Mahon ou pas La question, c'est ce qu'on va le compter ou pas Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre le compte du Zohar. Alors, on suit le Zohar. Donc on a dit, Meler 60. Malar, oui, Malar, que... Malar 32 et Yimlor, alors Yimlor, c'était ça notre difficulté, alors Yimlor, Yimlor soit c'est 20, soit c'est 40, soit c'est 60. Ça dépend si on compte les Sheva ou pas. C'est très bien. Nous, on, est, on a une difficulté, c'est qu'on sait le résultat final. Donc, il faut qu'on s'arrange pour, 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 pour que ça corresponde au résultat final. OK Sans compter qu'on a un autre problème. C'est que quand on a mêler », on a deux fois Ségol. Mais quand on va appliquer ces voyelles sur Yudke Vavke, il y a quatre lettres. Alors, on les met où, c'est Ségol euh, Alors, on les met où, c'est Ségol Ça, c'est encore un problème en plus. D'accord Ça, c'est encore un problème en plus. En général. Il y a certains livres où on met sur toutes les lettres. D'accord Mais ici, d'après ce que dit le Zohar, on doit arriver à, à, à ce fameux compte de 112. Alors, comment est-ce qu'on avait réglé le problème la dernière fois On avait dit 60. 60 et 32, ça fait 92. Donc, donc, donc il nous manque 20. Ces 20-là ne peuvent être que c'est-à-dire qu'on raisonne à fortiori c'est que que, limes, que le Chiré et le problème ce qui veut dire qu'on n'a on pas compté, les, on pas compté le, les deux sheva des kaf finaux et Pourquoi non et les, dans aussi. aussi très bien et on n'a pas compté le sheva qui cheva le sheva d'accord donc, Et fait, le des, qui, de, de voilà. Faire, Et c'est comme, voilà. comme ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce compte de 112. Ça, c'était pourquoi C'était juste pour nous faire comprendre cette notion de quoi Non pas des 12. Non pas de la gematria, Mais à savoir que ces 12 correspondent à ce qu'il y avait marqué plus haut, à ce qu'on appelle des. des Mémonyme, ces douze, ils correspondent à douze anges qui eux sont les préposés de toute cette configuration parce qu'ils sont sur l'axe central des douze. C'est pour ça qu'on avait ramené ça. C'est pour ça qu'on avait ramené ça parce qu'il y avait marqué plus haut dans le fait, au début au début de ce qu'on avait ramené du Sefer à Baïr, on avait marqué, il y avait marqué là-bas que c'était

si ça maintenant c'est clair, on va pouvoir essayer d'avancer un peu plus. Veiné, Gimel Shemot, Nikraim Shem Ben Yudbet. On reprend. Donc, ces trois noms, Hachem de Yudke Vaske, Yudke, vazke, yudke vazke, ça s'appelle le nom de douze lettres. Et donc, il s'appelle comme ça. Quand on parle du nom de douze lettres, c'est ce nom-là, d'accord Donc, vous, vous avez appris quelque chose de plus. Donc, vous avez appris aujourd'hui qu'il y, qu y, qu y a un nom de douze lettres. « Véalavamro ». Et à propos de ce nom, on a dit que dans la Gemara, « Kolayodea Vezirbo », tout celui qui le connaît et qui fait attention, il lui arrivera, il lui arrivera des grandes choses. Et il c'est dit que tout celui qui connaît ce nom, toutes ses prières sont toutes agréées. Tout, 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 pas agréé, en tout cas elle passe. D'accord Il fait passer toutes ses prières. Ve'outov, le'chavenbo » et ce nom, c'est bien d'y penser. Be'chatimat kolberacha ou beracha, quand on termine une bénédiction, c'est-à-dire quand on va la sceller, ce qu'on appelle le chatimat à beracha, à la fin de la beracha, c'est bien de penser à ce nom de douze lettres. Besod, dans le mystère de Aya, avait. Aya ove c'est-à-dire que il était ove est et il sera de ce qui est melech malar yimlo. Très bien, donc on a maintenant gagné qu'on connaît ce nom de douze lettres. Très bien. Venarzor le ignanenou. Revenons maintenant à notre sujet. Alors, kemo, chez guimel, che motelebe guimel avot. Puisque maintenant, ces trois noms ils correspondent aux trois, aux trois patriarches. Pourquoi ils correspondent aux trois patriarches Parce que c'est ce qu'on a vu dans Rehaïam et Emna. On avait dit qu il y avait, que ça correspondait à trois côtés de la Merkava, c'est-à-dire Michael du côté droit, euh, Gabriel du côté gauche et Nouriel du côté et nouriel Donc apparemment, Michael, c'est Melerh. Gabriel, c'est Malach et Nouriel, c'est Yimlor. D'accord Et ça, ça correspond. Michael, ça correspond à Abraham. Gabriel, ça correspond à Israël. Et Nouriel, ça correspond à Yaakov. Donc, ces trois noms disent, les trois, disent effectivement les trois patriarches. Et de même, Rennes, ben pesukim et de même si vous vous en souvenez nos trois fameux versets de Vaïssa, Vaïavo, Va'yet, ils correspondaient aussi à Abraham, Israël et Yaakov, ils correspondaient aussi à Chesed, Gevurah, Tiferet. C'est pour ça que le deuxième verset on l'a mis à l'envers. Donc le premier il était Abraham, le deuxième Vaïssa, c'est Abraham, Vaïavo c'est Israël et Va'yet c'est Yaakov quest comme c'est comme c'était expliqué dans le Zohar? Donc on retombe sur un axe de trois. Bécédère. Une fois que maintenant on a associé ce Shem à une bête, on l'a associé comment? On l'a associé avec les trois versets. Et on va maintenant le diviser en trois degrés l'École Shem ve et on va donc en fin de compte ce nombre de 72 on va, on va le diviser en trois strates de 24. On divise en trois ça fait 24 et maintenant venir la et on va le diviser les Gimel Chalakim l'École Shem mais il à Aniskarim et on va maintenant l'associer à, à chaque degré par rapport à un Yud Kevavke de ces trois de HM Melech, hashem Malach, hashem Imlor. D'accord ya ali a aller Kav Dalachimot, les Cholchem. Et donc on aura maintenant 24 noms pour chaque nom. C'est-à-dire, vous avez un Yud Kevavke 24, un Yud Kevavke 24, un Yud Kevavke 24. S'il vous pas on, on le verra dans le schéma. Nistarev Shem Ben Dalet, les Kav Bet Sirufim. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va associer encore à ça les 24 permutations du shem de Kevavke. Kavdalet, Shemot, Neged, Kavdalet, Mishem, Et donc, on, donc, en gros, vous allez avoir à chaque strat, vous allez avoir un shem de Kevavke. En dessous, on, on va mettre les 24 noms du shem et les 24 permutations du shemut kevavkei. D'accord ou pas Très bien. On veut mettre maintenant tout ce qu'on a appris sur tous ces noms, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Mais c'est l'air Donc maintenant, je reprends. On prend un shemut kevavkei qui est kolel, qui est global. HM meler, HM malar, HM imloch. En dessous de ce nom, on va mettre. On a dit les 24 qu'on va prendre dans le schéma inbet et les 24 permutations du schéma yutkevavke. Donc on va avoir, donc on aura 24 à chaque degré. Viu kav d'alète nigeid kav dalet asheru bechemainbet. Viu et donc on aura kaf dalet avayot mekorot les caves dalet chemot. Et comment on va placer ça? on va considérer que les 24 permutations à chaque degré du schéma Yutkevaque ce sont les sources de ces 24 noms du schéma Inbet. D'accord? En, en gros, en gros, c'est facile. Au départ, vous avez un schéma Yutkevaque. De ce schéma Yutkevaque, on va avoir 24 permutations. Et de ces 24 permutations vont après découler les 24 noms du, 24 noms du schéma Inbet. Pas compliqué. C'est le Cheikh global. Le global, il est sur 3 degrés. HM Meller, HM Malar, HM Mimlor. Ce Cheikh il, il, il se déploie en, en 24. Il se déploie en 24. Et de ces 24 permutations vont être, vont découler, on va dire, 24 des 72 noms du schéma une bête. Vayot et Lou. Et maintenant ces trois Havaïotes, c'est-à-dire ces trois Havaïotes globales, d'accord, ces trois Havaïotes globales, Yistarfou à Ainbet sirofim, ils vont s'associer aux soixante-douze permutations, Veinei kol Echad Me'em Sar, et chacun va devenir le prince de ces vingt-quatre, les Kavdalet Amistarfim Mimeno. Vous avez un schéma de Kevafke qu'on va appeler SAR. Ce schéma de Kevafke qui s'appelle SAR, il va, il il va, il, va se, il va se, déployer en 24. Et, et de ces 24, c'est pour ça que c'est pour ça que dans, on le placera en première ligne dans le schéma. Et c'est ça, ça sera le mécor des 24 qui lui correspondent du schéma Einbet. Verrou de caméra. Et c'est ça qu'on avait dit plus haut dans le texte. Les Haïl plus haut, Gimel khayalim, il y a trois trois soldats ou trois, trois forces. et chaque nom il va de, de, de force en force. et cela était aussi dans le dans le dans le passage précédent, ve alken, ve alkol, cavdalet, et on avait dit que, que, que sur chacun de ces 24, il y avait un prince supérieur. Un sar, un sar, un, sar, un prince, un sar supérieur. Très bien. Ou Et maintenant, quand on va diviser ces 24, les arba arbaruchot, on va maintenant ces 24-là, on va les diviser avec les quatre directions, qui sont les quatre directions spatiales, nord, sud, est, ouest, chez M. Guimel-Gevoulim, qui sont quatre des Yudbet Anis Karim, des douze 12 généraux. Oui ou non on, on, on va chacun le mettre sur quatre degrés. Et ces quatre degrés sont ces quatre degrés et puis on a sur, on est, comme on est sur, sur, sur un stade sur, sur des strates de 3 4 x 3 12. Le ail ve ini u 6 t et donc on en aura 6 sous 1. i u qui parce qu'il va y avoir 4 directions où les khol kaf dalet chimot et pour chacun de ces 26 Pardon, et pour chacun de ces 24 noms, je reprends, et pour chacun de ces 24 noms, Yiyu Sheva, Yiyu Bet, on va voir donc maintenant, on en aura 6, Tachat Vav Shemot, en dessous de 6, du nom de 4 lettres. Ve Ilu et ils sont tous sous l'un des noms des Yudbet Gevulim. Tout ça, il faut faut qu'on voit le schéma et je vais vous l'expliquer. Et bien sûr! Et d'ailleurs, pour qu'on comprenne tout ça, j'ai dû maintenant vous faire un schéma. C'est pour ça que maintenant j'ai fait ce tableau-là. Et voici ce tableau. On va maintenant étudier ça. Pour ceux qui écoutent ce cours et qui veulent avoir ce, ce schéma, qui m'envoient un mot ou un email, je, je leur ferai parvenir. Très bien. Alors, c'est configuré comme étant de façon circulaire. Parce que c'est la meilleure manière de figurer les choses. Très très bien. C'est considéré comme étant de façon circulaire. Très bien. Ce cercle, il a un centre. Il faut bien prendre ça et il faut faire attention à chaque détail. Ce n'est pas pour rigoler. Il y a un centre. Autour de ce centre, on va diviser ce cercle en quatre parties. Une, deux, trois, quatre. D'accord Vous pouvez mettre des couleurs, ça, ça serait encore mieux. On va le diviser en quatre parties. Bécédère. Très bien. On va mettre, donc, considérer qu'il y a donc quatre axes comme ça. D'accord C'est bon Très bien. Yud, Ke, Vav, Ke. On est d'accord Très bien. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke. Le schème Yud, Ke, Vav, Ke, on a dit quoi Qu'il était, quand on le permutait, quand on le permutait, il était, par rapport, ça, ça faisait 24. Donc ici, on va placer les permutations qui commencent par ioud, d'accord Donc combien est-ce qu'on en aura 6. Ici, les permutations qui commencent par hé, ici, les permutations qui commencent par vap, et là, les permutations qui commencent par E. On est d'accord Ça, c'est bon Très bien. Et donc, à chaque, degré, les, et à chaque degré, on place les permutations qui commencent par la lettre par pas, pas, pas la lettre modale. D'accord, Bécédaire. Très bien. Maintenant, on va prendre ici, on va considérer que. En fin de compte, c'est quoi l'idée C'est facile. C'est quoi le, la racine de tout C'est le chemin de Simplement, ce Shem de Aïn le Rama qui veut nous expliquer, que nous, tout ce qu'il a compris, c'est ce Shem de c'était une force qui émanait de, de Yud on ne peut pas conclure tout ce qu'on a dit jusqu'au début, tu comprenais, d'accord Donc, maintenant, en fin de compte, le plus simple, c'est de considérer qu'il y a un shem, yud, ké, bav, ké. et dans une certaine configuration, ce schéma, quand il va se déployer, il arrivera au schéma à une bête qu'on va trouver ici. D'accord Ok, je reprends. Alors, maintenant, mais il faudra le reprendre, sinon c'est du travail, hein. ce n'est pas fait comme ça en 10 minutes. Ok. Alors, maintenant, prenons ici, ici, maintenant, ce qui correspond au yud. D'accord On va prendre ce qui correspond au Youd. Ce qui correspond au Youd, maintenant, on va le diviser en 1, 2, 3. Mais c'est d'air on, on le divise en 3. Donc, pour arriver à, à ce que notre cercle soit ici, il soit en 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais c'est d'air Donc, si vous coupez... En quatre, vous avez à chaque fois trois. On est d'accord ou pas C'est très bien. Dans ce 3 là, on va considérer maintenant que ce douze là, ce douze là, c'est-à-dire que ce nom là qui est ici, on va écrire yud kevav ke yud yud D'accord Donc ça veut dire que et ça, ça va correspondre au à, au modal du quatre. Ok. Ce yud qui est ici, à chaque fois de la même manière, si on prend ce yud kevavke, on va avoir aussi les 24. ceux qui sont par yud, ceux qui sont par é, e, ceux qui sont par vav, ceux qui sont par K. dire yud Et en dessous de cela, on va avoir les lettres qui correspondent dans le shem à dans le qu'on avait, ouais, qu avait vu, doucement au début du chapitre. Ouais. 5, ok. Et à, fois, et à chaque fois, on replace la même chose. D'accord C'est très bien. Maintenant, ce qui va donner, ce qui rajoute dans, ce qui rajoute dans le schéma qu'il ajoute qu juste expliqué plus haut. C'était que ça, c'était lié aussi aux trois versets de la birkat Kohanim. D'accord Et c'est pour ça qu'on va avoir ici, yaer, yissa, yevarekha. D'accord Et voilà comment ça fonctionne. Donc, vous le regarderez tranquillement, et il faut bien, le, il faut bien comprendre comment, comment ça fonctionne. Mais en gros, l'idée mais en gros... L'idée générale, générale c'est qu'on a un schéma Yud Ce Yud il va se déployer. Et en se déployant, il va nous donner effectivement tous ces éléments-là qui, qui sont liés à 12. Notez que ces 12 éléments, ils correspondent à quoi Ils correspondent à ces fameux Yud Bet à Larson. C'est-à-dire les 12 arêtes du cube ou les 12, ah, oui. ou, ou, ou les 12 éléments. Attention, un peu de technique. Le fait que maintenant on retrouve les mêmes noms à chaque fois, parce qu'on va les retrouver qu'à chaque fois on permute 24. Finalement, n'est pas une difficulté parce que ce schéma, cette permutation de Yud Kevavke, qu on, qu on, Je répète, en fin de compte, on va la faire une fois ici et on va la faire à chaque fois ici. ici vous comprenez ici, ici, on l'a fait une fois. 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 Donc, on a une, deux, trois, quatre. Et ici, on en a une. D'accord En fin de compte, c'est pas pas une difficulté parce que dans le sens que, que chaque permutation, elle dépend de l'axe dans lequel elle se trouve. Mmh. Non, elle dépend de l'axe. Elle dépend de l'axe de laquelle elle provient. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas Donc, ça dépend de sa, de, de sa dominante. Si vous voulez, dans la dominante dans la dominante yud, on a ici, par rapport à une permutation générale, eh ben, on n'en a que 3. C'est-à-dire, on n'en on a, on, on a que 6. On n'en on a que 6. Mais par rapport à une plus, mais par à une plus générale, on, ici, on en aura euh, 3. Non, 6, 6, 18. Et si on veut retrouver celle qui est de 24, il faut, il faut qu'on prenne comme ça. Donc, donc encore et encore donc il, aurait fallu, il aurait fallu remettre encore des axes comme ça pour qu'on ait, qu ait les axes comme ça. Et donc maintenant jusqu'à maintenant est arrivée la force de la force de ce schéma dans ces choses-là. Et c'est pas fini. <médicatrice> et ce qu'on a fait pour le chémé qui ici, on pourra faire de même pour le chémé pour, 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 on, on pourra faire aussi pour les deux autres. Non. On pourra faire aussi soit pour le chémé qui et soit pour le chémé Adni. Quel est le principe général de tout ça Le principe général de tout cela est yot. Ayut c'est-à-dire, c'est quoi Le principe général, c'est qu'il a compris comme ça, le ramac, que... Rappelez-vous ce qu'a dit le baïr. Le baïr, il avait dit que c'est quoi C'est un arbre. Et de cet arbre, il y a des branches. La ronde pas C'est très bien. Vous vous rappelez qu'il pas posé la question, il a dit que si c'est les douze syrophimes, si c'est les douze volé à l'arsone de l'arbre, est-ce que l'arbre, il est dedans ou pas dedans Vous vous rappelez la question ou pas C'est très bien. Alors, ayut, voulim, shem shemben, dalet. Puisque maintenant ces douze, c'est douze, euh, comme on l'avait dit, ces douze arêtes, c'est ce une permutation du, 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 du tétragramme qui est dans Tiferet. Quoi qu'il arrive, il faut bien partir par un centre. Le centre, c'est yud Kebafri, et le centre, c'est Tiferet. veine à Tiferet, et donc Tiferet, kolel chesed voura verachamim. Tiferet, c'est un centre. Donc, de ce centre-là, lui, il comprend Chesed, Voura et Tiferet. Ce centre-là, il comprend la droite, la gauche et le centre lui-même. D'accord Qui ou Ishtam Yoshev ou Alim. Parce qu'on avait dit que Yaakov, c'était quoi C'était l'homme intègre qui s'assoit sous les tentes. Ou mise. Khuyav. Gimel, Shemot, Beshem, Ben, Dalet. Et donc c'est pour ça que on va lui donner trois noms, du « trois noms du shem d'alet, trois noms c'est-à-dire du, 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 du tétragramme, vechem ben d'alet echad, kolel tam » et un tétragramme, il comprend les trois et celui-là, il va se diviser en douze permutations qui sont les douze frontières, comme on l'a expliqué. Et maintenant, ces douze permutations, elles vont se diviser chacune en deux, deux masculines et deux féminines. Et c'est comme ça qu'on va arriver à 24. C'était ça, notre question, si vous en souvenez, par rapport à cette histoire des fameux doublons. C'est-à-dire on en a 12 masculines et 12 féminines. Vers Gimel, Kolejrad, Mehem, les Kafdalets, et il y en a 3 qui vont aller pour les 24, et qui sont ceux du Chem à Inbet, et qui sont 6, Chemot, Mehem, les Kolejrads. C'est-à-dire il y en a 6 qui vont aller, comme il est marqué ici, il y en a 6 qui vont aller pour chacun des 12. Mais Gimel, les Kolejrad, Mehem, les Kafdalets, et 3 pour chacun des 24. C'est une manière de d'organiser. Il faudra le faire bien, dans, de, tranquillement chez vous. C'est une manière de déployer le shem Ain Bet selon tout ce qu'on a appris, à savoir la centralité de Yud Kevafke, cette notion des trois axes. Vous, vous rappelez Olam Vnefesh, Olam Shana, olam, shana Vnefesh, ve, uh, ve, uh, et rappelez-vous. Le Sefer il Sira, il avait dit quoi? Le Sefer Aïssira, il, hein il a dit Tali ba olam gal gal ba Il a dit le dragon dans le monde, c'est comme un roi sur son trône. Galgal Bachana, l'astre dans l'année, c'est comme un roi dans la cité. Vélev banefesh et le cœur dans l'âme, c'est comme un roi dans la guerre. On retrouve les trois rois. Et bien sûr Mais évidemment Et ça, le Sefer Yetzirah, avait juste donné un remède là-dessus. On retrouve les trois rois. Donc c'est ça qui correspond à ces trois actes des trois rois. D'accord Et donc, parce que maintenant, on va avoir la source cachée de ces, de ces noms. De en gros, il est en train de vous dire quoi Un truc très simple que ce schéma in une bête, c'est simplement un déploiement extérieur du schéma Doucement. Et donc maintenant, ces forces-là, elles vont s'habiller. Elles vont s'habiller dans les forces des douze, des 72 noms de Vaïsa, Vaïavo, Vayet, chez M. Kolechad, et qui sont chacune de trois lettres, Remez, El Chesed, ou Otiferet, et qui sont chacune une allusion à Chesed, vous Tiferet. Finalement, on remet sur quoi On revient que ce principe même du Shem Ain Bet, c'est quoi C'est un axe central qui comprend trois degrés. Et donc et c'est donc, et donc ainsi que, comme ça c'est en allusion dans, dans les versets, et maintenant les initiales de ces douze permutations du, du tétragramme qui identifièrent, qui ça fera trois fois Yud, trois fois E, trois fois Vav, trois fois ké. C'est pour ça qu'on les retrouvera ici. C'est pour ça qu'ici, on aura trois fois. On aura. Euh, on aura ici. Donc trois fois Yud. C'est ça. On aura trois fois Yud. On a un Yud ici, un Yud ici, un, un Yud ici. Non. Je reprends. Trois fois Yud. Ou trois fois Yud. Yud, Yud, Yud. Ké, 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 Et c'est ça qu'on va retrouver ici pour, pour, pour arriver à 12. 3 et 3 6 et 3, et 3 9 et trois, douze. M gimel, chez motanis karim. Ve'a kol mi Et tout provient d'un seul lieu. Ve'a kol shav el mako Et tout revient en un seul lieu. Parce que quand vous faites des kavanos, si vous n'êtes pas capable de replacer la chose par rapport à là d'où elle vient et de là où elle va, vous êtes parti dans la nature. Ve'a al derer ze nikesh leshe mekeye. Et donc, on, on, on on étendra cela de la même manière au Shemekeye. Parce que c'est pareil qu'il y a Kolechad, et celui-ci, il est comme l'autre. Je vais lire shlocha et ça aussi, ça nous indiquera les trois noms Ekeye qui sont Chesed, din Verachamim. OK L'Oniskar bathorah est de tout, et preuve extraordinaire, c'est que le nom Ekeye, cest que le nom Ekeye, il n'est qu'une fois dans la Torah. D'accord quand, quand, quand Dieu il va parler à Moïse depuis le buisson, Kula Kiim Gimel Payamim. Et c'est marqué que trois fois dans la Torah aussi. Et ça, ça correspond à quoi Le Shemekéye, rappelez-vous, il correspond aux trois premières Sephirothes De Gimel, Richonot. Veadni, et le Shemani, aussi de la même manière, parce que le Shemani, c'est quoi Qui va Shembe, Echal Parce que le Shemani, on dit quoi On dit que c'est le palais de Yutke c'est-à-dire, c'est le lieu d'habitation de Yud Kevavke. Et ça, ça, ça vient d'un verset qui dit qu'il va et il est dans le palais de sa sainteté. En Simplement, la différence qu'on a avec Adni, on l'a déjà vu, c'est que dans Adni, on n'a pas besoin de, de doubler. N'achant ou pas Parce que dans Adni, comme on a quatre lettres, on, on, on aura forcément 24 permutations. Ve'al et donc maintenant d'après notre voix il faut souligner ça c'est-à-dire il dit d'après la voix qui est la d'après la voix qui est la mienne c'est-à-dire d'après ce que moi j'entends maintenant dans cette histoire là et, et c'est comme ça que j'ai organisé les choses ve'al pidar on a appris ki mekor shel shem shel bet ou shem ben dalet un il dit que la racine du nom de 72, il provient du shem yud Donc tout ce qu'on a fait maintenant depuis des semaines, c'était la démonstration que lui il a pour parvenir à travers les textes au fait que ce shem de Ain Bet dans parashat Beshalach, sa racine il provient du shem Yudke Et tout ce qu'il a organisé, c'était pour pouvoir organiser ça et organiser cette configuration que tout ça provient du shem du, du shem Yudke Alderer Et donc, d'après ce que nous avons dit, et il en sera de même de Ekehi ou Adni. Et on pourra aussi considérer que par rapport à d'autres degrés, le Shem bête il peut provenir aussi du Shem Ekei ou du Shem Adni. Ça dépend du degré dans lequel on sera. Par rapport à ces trois configurations du Sefer Ayesira. Omnam. Mais Sefer Aora, et Et donc, il dit, et maintenant, il dit, dans le Sefer Aora, D'accord C'est expliqué d'une autre manière. Et dans les aussi, et ça, on l'expliquera. Avant de terminer, qu'on termine le chapitre. Chouv Matsano, on a trouvé aussi, mais ça, on, on le lit aujourd'hui, et on l'expliquera dans le chapitre 10, Ticidieux. Si, si Chouv Matsano, Shem bet gevulim, on a trouvé aussi qu'il y avait un nom. Donc, il vous ramène des sources, mm -hmm. qu'il y avait un nom pour ces douze arêtes. Zulat Shem Ben Dalet, en dehors du tétragramme de et du Shem Ekeye, Bechem Ekeye, Veshem be Anni. Et là, Shem Echad, mais on a trouvé qu'il y avait un nom unique. Vous vous rappelez, nous on avait dit que ces douze Larson, ce serait quand même bien de leur associer des noms. D'accord ou pas Il a dit les noms, on les a. Mais il n'y a personne qui est capable de nous expliquer comment est-ce qu'on peut dire tel nom correspond à on avait dit le nord, et le sud. Mais il dit maintenant j'ai trouvé qu'il y avait des livres où on attribuait un nom. et c'est comme ça que c'est expliqué dans le, dans le Sefer Vehilu rachot, Shem Yud Bet le Yud Bet dans le CFR Baïr, là-bas, on ne dit pas que c'est le nom des douze du boule On dit que c'est là-bas le nom des douze tribus d'Israël, ou plutôt à dire des noms saints qui correspondent aux douze tribus d'Israël. Mais, comme on avait dit déjà que c'était entendu que cette notion de douze, c'était les douze tribus d'Israël, qui sont aussi, vous rappelez, les douze, pierres, les douze pierres du pectoral et les douze pierres que Yaakov a, a, a prises pour faire, pour faire son oreiller, donc pour lui, c'est pareil. Je, on le prononce pas, vous le regarderez tranquillement. Ce sont douze, douze noms qui doivent correspondre a priori à douze forces particulières. Ve'kulam nikhlalim et on suite du, du Sefer Abayir. Ve'kulam nikhlalim Belev ashamaim et ils sont tous totalisés dans le cœur des cieux. Ou mitralkim les caves d'alechimot et ils vont se diviser en 24 noms. Ou ba'Em Kaloul Zachar ou Nekeva. Et dans eux et dans eux se seront totalisés le masculin et le féminin. Ou pekidim et des préposés dans Tali Galgal Valev. Dans nos trois degrés, dans nos trois degrés qui sont le dragon, le dragon, l'astre et le cœur. V'Em Mayanot Achorma et ce sont les sources de la sagesse. V'Digdek Il dit, retenons une chose de ce qu'il a dit. Dans ce qu'il a dit, ou il a dit que c'est que dans le Sefer Abayir que, que, que ça se divisait en masculin et féminin, VM et donc ça, ils disent, en tout cas pour moi, c'est une preuve. El m'a Ekatav nous les de ce que j'ai de ce que nous avons écrit plus haut, Lakim les kav pour expliquer comment les douze permutations simples du Shem Yud Kevav que elle pouvait faire vingt-quatre masculin et féminin. Il dit si j'avais besoin d'une preuve, je l'ai ici. Et Et il dit de toutes les manières, pour moi, ça fait aucun doute. Chez que quand bien même on aurait ces nouveaux noms là, de toutes les manières, ces douze noms là, M. Les vouche, ils ne sont qu'un habit des douze des douze permutations de Yud Kevafkei. Donc quoi qu'il arrive, c'est Yud Kevafkei qui est le nom central. Et si, encore, et si encore dans le Baïr, on a rajouté encore douze noms qui sont ici, ces douze noms-là, c'est quoi C'est encore un habit pour le Shem Yudke Vavke. et aussi pour les douze de Hekéye, et aussi pour les vingt-quatre de Adni, de la manière dont nous l'avons expliqué plus haut, derrière, dans les soixante-douze elles-mêmes. alors, Maintenant, après que nous ayons expliqué cette fameuse notion des douze Gevolim, de ces douze frontières, de ces douze arêtes du cube, selon ce que Dieu a influé sur nous. selon ce que Dieu a influé sur nous, par sa générosité. Neyached bi'our et on va maintenant consacrer le prochain chapitre, si Dieu veut, le chapitre 10, pour expliquer ce texte-là qu'on a vu aujourd'hui. Baruch Adonai le Olam, Amen, Ve Amen.